frère. C'est des futilités, on appelle ça. Ça a bien matériel éphémère. Salut tout le monde, c'est notre réaction, action, réaction. On va regarder une story d'Abdel et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça, frère. C'est des futilités, on appelle ça. Ça a bien matériel éphémère de ce bas monde. C'est rien, frère. Pour ceux qui comprennent pas, si je te dise, on n'a pas les mêmes paroles. On n'a pas la même science. Hein. Moi, j'ai la science légiférée. C'est Beg Beg Abdel Soulax. Aujourd'hui, la pub de ma mère à la boucherie BDV et Momi Max. Eh, c'est de la nouveauté. J'ai jamais vu ça de toute ma carrière, frère. Tais-moi. La viande bovine. Mais la pub de ma mère, c'est sérieux. Il m'a ramené jusqu'en bas de chez moi. Eh, c'est livraison express à domicile. Vous savez quoi? En plus, envoie envers toute l'Île-de-France. Il vient avec un camion très très spécial. On appelle ça un camion frigorifique. Et toutes les personnes qui sont vraiment pressées, qui ont un barbecue à faire là dans l'immédiat, il arrive avec une grosse bécane. En moins de 2 secondes, il est chez toi. Et moi, je suis posé chez moi tranquillement. Je l'ai appelé il y a même pas 5 minutes, chocolat. T'es fou, il m'a mis Max, frère. C'est la tendance actuelle du moment. Et c'est la viande de volaille artisanale, sain et bio. Et celle-là, par contre, c'est la viande de bovine. C'est deux viandes différentes. Hein. On appelle, c'est un produit frais avec une certaine fraîcheur. Hein. Sorti tout droit de chez les grands fermiers. Hein. Mais t'es ma frère, il m'a ramené tout ça en bas de chez moi. Livraison en domicile en moins de 24 heures. 7 jours sur 5, 24 heures sur 24. Eh les frères, sur la vie de ma mère, en plus, il y a encore d'autres nouveautés, d'autres types de choix, de plats. Par contre, moi, j'ai pris ce que j'avais besoin. La charcuterie, la viande bovine et la viande de volaille. Pff, admirez-moi ça. Admirez-moi cette carte, comment elle est très bien structurée. Il y a tout dedans. Il y a toutes les instructions et toutes les indications et tout type de variété de plats qui seront à votre disponibilité. Rajoutez-les, partagez-les, identifiez-les et likez. Produits frais d'une certaine fraîcheur, on parle. Hein. Viande de volaille, viande de bovine. La meilleure boucherie internationale mondiale. Vous savez pourquoi internationale mondiale? C'est une boucherie volante. En T-Max, il y a un camion frigorifique. T'es mal, il est comment là-bas? Il est rose! Et orange en même temps. Wesh alors la zim, hein. À mes gauche, il y avait un méchant coucher du soleil à l'horizon. C'est quoi ça à ma droite? Il y a le stade de France à ma droite. Et là, le stade de France. Hé, hey, coucou, salut toi. Hé, on dirait live. Putain, il est 20h08. Je suis dans les bouchons. Boulangerie, elle ferme à 20h10. Mais pourquoi ça roule pas? Taf! Ça doit rouler dans mon œil, t'as pas besoin de carambolage! Je comprends plus rien! Un gamos! Je comprends vraiment plus rien! C'est Beg Beg Abdel Soulax! Le ciel est orange! Rose! Et là où il est bleu! Bleu ciel! Bien dégagé s'il va faire tomber de la nuit! Bien. Pas nous, ça roule pas bien, frère. Ah, moi j'ai rendez-vous, la boulangerie va fermer dans 10 minutes à 20h15. 29. Je suis avec mon gamos. Je comprends plus rien là. C'est quoi ce truc de ouf là? Putain, il est plus déjà nuit en plus. La journée elle est déjà finie. Un cadeau, il y a le G pour m'encomporter le moral. Merci le G. Merci le G, ça fait plaisir. Ça, bisous, c'est Beg Beg Abdel Soulax. Soleil. Ah ouais, je comprends montagne, une circulation avec un carambolage. Il y a eu un accident. J'espère que c'est pas ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a une voie, elle est barrée. Faut pas accéder. Pas grave, là sur cette file, je suis bien. Ah ouais, c'est un gros accident, je crois. Et les pompiers, c'est d'avoir des blessés. Il y a même les policiers. Ah bon. Donc voilà, c'était la story d'Abdel Soulax, tout simplement, petit accident à la fin, en tout cas magnifique coucher de soleil, magnifique boucherie aussi,
et magnifique habit vestimentaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, pas un bonnet, abonner, follow. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.